Et salut les amis, c'est YoYo de VTT avec l'Auvergnat aujourd'hui. Bah, nouvelle vidéo, on va faire plaisir à mes abonnés, vous qui m'avez demandé des sorties route. Et bien aujourd'hui, je vous fais plaisir, je ressors le mulet. On va aller se faire une petite sortie route tranquillou vers chez moi parce que le temps n'est pas avec nous. Là, ça pleut quelques gouttes. J'espère que ça va se calmer, qu'il n'y ait pas trop de vent et tout ça. Voilà, sur cette vidéo, on va présenter deux nouveaux matériels. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Une lampe, une lumière, vraiment la sécurité pour nous cyclistes, et un smartphone. Allez, je vous fais voir ça tout de suite. Bon, ben voilà les amis, ben, je vais vous faire la présentation de ces deux objets. Alors, on va commencer déjà par le début. Je ne suis pas sponsorisé. Ce que je vais vous faire voir aujourd'hui, cette fameuse lampe, lumière et ce fameux smartphone, c'est moi qui me suis financé. C'est-à-dire que si c'est de la merde, on va pas se mentir, les copains. Si c'est de la merde, je vais vous le dire directement. Si c'est de la qualité, ben on fait tourner l'info et puis du coup, tout le monde en peut en profiter. Voilà. Alors pourquoi j'ai acheté cette lampe? Déjà, point de vue, elle n'est pas super chère parce que vous connaissez tous les lampes de grandes marques qui valent une fortune, les yeux de la tête. Cette lampe-là est vraiment pas mal, pas chère. Le prix, je ne l'ai plus en tête, je pourrais le retrouver si ça vous intéresse, dites-le-moi en commentaire. Je l'ai prise pour les entraînements, ben pour les rouler un petit peu cet hiver, pour qu'on puisse être vu et être en sécurité, que ce soit sur route ou sur VTT. Alors, il me fallait à tout prix une lampe qui éclaire vraiment bien et une lampe étanche. Voilà, alors du coup, je vais vous faire voir ça. C'est mon première présentation, alors soyez cool avec moi. Alors, cette fameuse lampe, la voilà. Alors, une lampe avec un corps en métal. Vraiment, c'est du solide. Avec une batterie à l'intérieur. Demandez-moi pas la puissance, je n'en sais rien. Ça doit être marqué sur le bordel, là, sur le packaging. J'y ai pas regardé. Du coup, on dévisse, on a une prise USB standard, du moins une prise standard, smartphone pour recharger. Voilà, un petit joint pour l'étanchéité. Alors, on va essayer de ne pas foirer le pas de vis parce que sinon le test sera vite terminé. Voilà, tac. Alors, pour l'allumer, tout simple, on appuie sur le bouton au milieu. Plusieurs modes d'éclairage. Là, elle sort juste du packaging, c'est-à-dire qu'elle n'est même pas chargée et franchement, elle éclaire bien. Voilà, moi, ça sera ce mode-là. Franchement, le mode, je vais l'appeler boîte de nuit. Il pète. Vraiment, on le voit super bien. Il éclaire super bien. Après, sur cette lampe, elle a un système de feu stop comme une voiture. C'est-à-dire, on va la mettre faire à clignoter. Tac. Et quand vous allez rouler et que vous allez freiner, du coup, la lampe va le sentir et va s'arrêter en rouge. Tac, c'est pas instantané, mais franchement ça le fait. Et ça repart directement. Voilà. Alors si ben cette lampe, je vais la tester aujourd'hui. En plus, ça pleut. Du coup, on va voir si ça marche bien. Et si ça marche bien, eh ben on continuera avec. Et si c'est de la merde, eh ben ça ira à la poubelle. Voilà. Allez, maintenant on va passer au smartphone. Du coup, le smartphone, un cross-call. Lui, j'ai un peu plus de retour parce que du coup, ça fait un petit moment que je l'ai. On va se faire un petit peu de pub, on va pas se mentir, les copains. VTT avec l'Auvergnat sur YouTube, on fait tourner. Voilà. Du coup, ça fait un petit moment que je l'ai. J'ai eu une grosse galère avec cet été. J'ai voulu aller filmer des vagues à la mer, hein, bien sûr. Et il y a un petit cache qui n'était pas présent derrière. Vous ne le verrez pas, il est vraiment tout petit. Du coup, je l'ai plongé dans la mer. Et il m'a fait de la merde. Il n'a plus fonctionné du tout, c'est-à-dire que tout était mort en fait, plus rien marchait. Du coup, on l'a renvoyé, ils me l'ont échangé et depuis, ben, on a retesté. Je l'ai testé sous grand froid, je l'ai foutu dans le congélateur de mon camion. Ça marche, le tactile marche, je l'ai foutu sous la flotte, ça marche. Ce qui est génial sur ce téléphone pour nous les vététistes ou les cyclistes, c'est que le tactile marche aussi sous l'eau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de le mettre dans une coque et avec les gants. Et du coup, vraiment, ça aussi, c'est solide. On peut taper sur le côté, sur l'écran, il n'y a rien qui se passe.
un bon smartphone, une batterie qui dure assez longtemps. Il passe partout, j'ai jamais eu vraiment de soucis dans mes sorties VTT. Pourtant, dans les bois noirs, il n'y a pas énormément de réseau. En Auvergne, chez nous, là, il n'y a pas énormément de réseau. Et j'ai jamais eu de problème, hein. Franchement, c'est toujours bien passé. Voilà. Les deux petits objets que je voulais vous présenter. Alors voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, c'est moi qui me suis financé ça. Si vraiment c'est de la merde, cette fameuse lampe, parce que du coup le smartphone, je commence déjà à savoir ce que ça vaut. On va essayer aujourd'hui de filmer avec. S'il filme bien, eh bien, on continuera à faire des petites vidéos avec, sympathique. Et s'il filme pas bien, eh bien, moi je le garderai pour mon job, parce que moi les téléphones portables, je les explose en pas longtemps. Voilà, du coup cette fameuse lampe, eh bien, on va la tester. On va voir si elle fait le job, et si elle fait pas le job, et ben direction poubelle. Je vais pas vous raconter de conneries, on n'est pas là pour dire des trucs qui m'intéressent pas. Si vraiment c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, et ben ciao, bye bye. C'est poubelle. Bon, ben on va aller se préparer parce que ben ça commence à flotter et on se retrouve sur le vélo. C'est parti! Bon, ben allez, c'est parti. Aujourd'hui, petite session route. Alors, on va essayer de se faire une petite sortie. On me l'a demandé plusieurs fois sur commentaire. Alors, ben, je fais plaisir à tous mes abonnés. Et du coup, on a ressorti le mulet. Et on va aller faire une petite sortie route dans mes routes de campagne. Malgré le mauvais temps, on va essayer de passer à travers les gouttes. Et puis, se faire plaisir. On va faire tourner les jambes. On part de la maison, le champ, direction Paladuc. Et Paladuc, retour sur la maison. Désolé pour le vent, ça souffle pas mal. La nuit, par ces temps-là, il faudrait sortir le gravel. Il va falloir investir là-dedans, dans un petit gravel pour l'entraînement hivernal. Ce serait pas mal. C'est des routes où ça passe fort, 45 km/h sur un faux plat. Faut faire gaffe au gravillon. Sympathique. Bon, un petit canon. L'eau est bien froide. Ouh. Allez, nous on va se diriger sur 5 mètres de roll. Première voiture qu'on croise au bout de 7 km. Pas mal. Allez, là ça grimpe. Bon, ça y est, j'ai atteint les 1 mois sans cigarette. Bien content. Pas vraiment difficile à arrêter quand on a envie. C'est vraiment la cigarette. Faut y jeter, c'est une belle merde. Mais c'est pas la cigarette qui commande. Allez, on va pas tout mettre à gauche tout de suite. On va en garder un peu. Ça monte à 9%. On sort de cette première pente. Avec le vent en pleine face. Cette pluie qui menace. C'est vraiment pas une condition pour rouler, mais j'avais besoin d'aller me dépenser. Alors même si c'est une petite sortie
Il y a une petite vidéo. C'est quand même bon à prendre. Un grand merci aussi à vous tous pour la dernière vidéo. Ma plus grosse rando. Ma plus grosse et ma plus belle rando. Pour vos commentaires, vos messages. Ça a touché énormément. Vraiment super rando à Châtellenon. Qui a piqué, qui a fait mal, mais qui était génial à faire. Là, normalement, prochaine rando, ça sera à Ravel, un 35 km DTT. Ça sera normalement tranquille. Sortie pas vraiment difficile. Et on va la faire, ce que j'ai fait l'année dernière. Et je l'ai vraiment bien apprécié. La pluie est arrivée, ça y est, je t'essuie un peu. Je voudrais pas que tu sois malade. Et on arrive au village Fagot, commune Saint-Rémy-sur-Dérolle. Tout petit village. C'est terminé. Allez, aérodynamique, Monique. Sur du rôle Paladuc. On teste aujourd'hui aussi sur la chaîne VTT avec l'Auvergnat mon nouveau smartphone, un cross-call qui est fait pour les randos, tout ça, qui ne craint pas les chutes, qui ne craint pas la pluie, le froid. Le Tractor. Bien à la campagne. Et là-haut, je sais pas si vous les voyez bien, nos amis les chasseurs. Bien cette montée. Là, on a quelques kilomètres de retour à la maison. On n'en fera pas plus aujourd'hui. Vraiment un temps de chien. Mais bon, voilà, il faut continuer à s'entraîner. Même pendant ces périodes. Je fais pas des grosses sorties, mais voilà, c'est d'en faire assez régulièrement dans la semaine. Je les filmerai pas toutes, hein, parce que elles sont pas super. Mais bon, voilà, du coup, celle-là, je voulais la partager pour les abonnés là qui me demandent de leur faire des sorties route, des vidéos route. Voilà, voilà, je voulais que tout le monde soit content. C'est vous qui me faites tourner la chaîne. Cette chaîne est autant à moi qu'à vous. La page Facebook, pareil. Vous faites tourner vos vidéos, vos tracés. Alors voilà. J'essaie de faire plaisir à tout le monde. Du VTT, de la route. Moi, ma passion, c'est le vélo. Alors du coup, on fait aussi de la route. Bonjour. Et bonjour. Hop là. Pour une fois, des chasseurs sympas, il faut le souligner. C'est très rare. Allez hop, terminé. Un de cette sortie. Bon
ben voilà, cette sortie est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Bon, ben une sortie un peu galère avec ce vent, cette pluie. Du coup, un peu galère à rouler, mais bon, voilà, il fallait rouler à tout prix. Et ben, ça a été un bon test pour cette lampe qui a pris la flotte, qui n'était pas chargée, comme je vous ai dit tout à l'heure. Elle sortait du packaging, elle n'était pas chargée et elle a tenu ben, toute la sortie. Il lui reste encore du jus, même. Hein. Franchement, je vais finir de la vider pour pouvoir la recharger à bloc. Je me suis arrêté 2-3 fois pour m'éloigner du vélo, voir si on voyait bien cette lumière. On la voit bien, même en plein jour, on la voyait super bien. Du coup, ben, content de mon achat. Hein. Pour l'instant, ben, je le recommande. Hein. On verra par la suite. Ben, le smartphone, j'ai pas eu le temps de regarder encore les vidéos. Si vous voyez une vidéo smartphone sur ce film, c'est que ça a marché. Si ben, il n'y en a pas, c'est que c'était de la merde. Voilà, et ben j'espère que cette vidéo t'aura plu. Laisse-moi des commentaires si tu veux plus de renseignements sur ces deux objets. Et puis, porte-toi bien, fais du vélo et fais du sport. Salut!